Je vous invite à examiner avec moi la structure ou la charpente des grands cultes d'affliction qui se consacrent aux crises existentielles, à la thérapie, à la divination, enfin même aux procédures de menaces et de malédiction. Essentiellement, sont des rites de passage tels que Van Gennep et Victor Turner ont dégagé avec le rite de marge, de séclusion, enfin dans un monde initiatique et puis de rentrer dans la société. C'est surtout ce moment de réclusion que je voudrais expliquer, ou d'identification avec des animaux qui ont des vertus particulières que le patient ou l'initié est amené vers une identification pour que se fasse un transfert de l'animal ou du phénomène cosmique au corps, au vécu corporel, au corps sujet de l'initié, mais aussi à l'intercorporeité, à son rapport aux personnes tout à fait proches, le mari, enfin les enfants, ou enfin l'époux, l'épouse, les parents. Voilà, ben ça c'est en termes abstraits. Les rites ou les cultes que j'ai étudié le plus sont Kita, c'est pour traiter des cas d'infertilité d'accouchement d'enfants déformés, difformes. Et la patiente, ou c'est plutôt l'initié, est amené à s'identifier aux chauves-souris. C'est un animal qui vit, disons, surtout la nuit, à l'envers, enfin, c'est-à-dire qui se pend avec ses griffes la tête vers le bas, qui dort comme ça, qui met au monde des petits, pas un œuf, mais des petits, ou un petit, ça dépend de l'espèce. Et n'a presque pas une capacité visuelle, mais s'oriente par l'odeur qui est une dimension extrêmement importante dans les rapports conjugaux, les rapports sexuels, hein, qui est un stimulant pour le désir très important, qui vit en groupe. Et donc, un moment important du culte qui dure
normalement de 3 à 9 mois pour que l'initié s'identifie avec la gestation physique. Et donc, mais pour s'identifier à une nouvelle fertilité, est amené à vivre, à se comporter comme une chauve-souris, c'est-à-dire dans un rituel qui va l'amener à la transe, elle pend à un bois de parasolier. Le parasolier est un arbre qui pousse, qui atteint la hauteur maximum en 3 ans et qui pousse presque naturellement dans un champ abandonné et qui a un tronc raide comme le palmier. Et donc, c'est le mari qui met sur son épaule de droite cet arbre et l'autre extrémité repose sur la poutre de la porte d'entrée. Et l'épouse se tient avec les mains et les pieds tournés vers le mari, de sorte que c'est comme symboliquement, elle est traversée par un signifiant phallique, tout son corps, et le rythme des tambours l'amène. Enfin, il y a d'abord, elle est balancée par le thérapeute et l'oncle maternel, donc balancée d'un côté à l'autre, et de plus en plus, le rythme va l'amener à trembler, à suivre le rythme des tambours et donc entrer dans une, pour qu'elle entre dans un état de transe orgasmique. C'est une façon, une identification, mais il y en a, et que je décris dans « Se recréer femme » et « Weaving the threads of life », mais une autre, c'est l'identification avec, comment on appelle, pour tisser le métier. Oui. Le métier, elle s'identifie aussi avec le tissage. Donc, ce sont des hommes qui font le tissu de raffia et qui, avec une espèce de d'aiguille, mais en fait en bois, et qui ressemble qui est un signifiant aussi viril ou masculin, donc qui passe de devant vers derrière et de droite à gauche et comme ça de retour, donc qui fait un mouvement de tissage tel que, de tissage de l'ordre de cette photo. Reproduit sur la couverture. Donc, tisser la patiente est amenée à s'identifier au travail de tissage, qui est une métaphore de base de l'univers de vie, l'univers qui englobe the live world, qui englobe la société locale. C'est une autre métaphore extrêmement forte qui l'amène, la patiente, à vivre inconsciemment une des structures symboliques centrales de la société, notamment celle de Tissé. Donc, il y en a d'autres rituels d'identification des oiseaux, mais surtout à la poule qui pond un œuf. La maison dans laquelle elle vit
est un œuf cosmique et elle est autant la poule qui est en train de couver, est en un état de couvaison, que l'œuf qui va, après je ne sais pas combien de semaines, s'ouvrir, il y a un poussin qui va apparaître. Donc, elle vit aussi cette identification avec la couvaison et l'éruption du poussin. Et donc, par la petite maison dans laquelle elle vit 9 mois. Et elle s'identifie aussi extrêmement, de façon extrêmement intime, avec le cycle lunaire. Donc, les nuits de pleine lune, elle peut quitter sa maison de séclusion et chanter des chants qui l'identifie à la pleine lune, qui est le moment où tout ce qui est vie se régénère. Sont les nuits où la communauté, la société locale danse. C'est aussi la période dans le cycle menstruel identifiée avec le moment de fertilisation, mais la société contrôle cette période par les danses. Donc, il y a très peu de nuits où mari et femme se retrouveront ensemble. Donc, enfin, l'espèce de contrôle de naissance possible dans une société sans électricité, avec une régularité de diète et temporelle, tandis que les nuits de lune, quand il n'y a pas de lune, elle reste dans la maison. Enfin, donc, ça c'est pour le culte Kita. Mais les cultes, par exemple, pour le devin, pour l'initiation du devin, l'initiation est faite avec le loutre musaraigne, c'est-à-dire une espèce de loutre, un animal qui, devant, a des griffes, des pattes avec griffes, et les pattes de derrière sont comme pour nager. Donc, c'est un animal, deux espèces qui est à la fois comme poisson et comme mammifère, et qui creuse des trous à partir du sol jusque dans l'eau, dans un petit ruisseau. Et donc la devineresse en transe, pendant cette période d'initiation, doit creuser de ses mains un trou, un couloir, et sortir par l'autre, par la sortie, entrer, et tout son corps, et en sortir, et 1 mètre ou un peu plus loin. Et donc, c'est un canal qu'elle a dû creuser de ses mains pour s'identifier à l'autre musaraigne. Et donc, sa capacité d'être un animal de jour et de nuit, donc de pouvoir s'identifier à une double nature, et surtout, c'est aussi un animal presque aveugle qui se dirige par l'odorat, par l'olfaction. Et le rapport du devin aussi durant l'initiation avec les chiens de chasse est extrêmement développé, parce que le devin trace les pistes du mâle
par le sens de l'odorat, rêve l'oracle auquel formulera le lendemain matin quand des clients viennent. Donc, le rêve est une capacité de figurer des signifiants importants, de rêver et de presque de voir un rapport entre les différents signifiants avant que les clients en donnent quelques pistes, mais seulement des pistes, disons, vagues, et c'est au devin de tisser ces signifiants en un oracle qui formule la base de la société. La base de la société, de la vie en société, c'est l'échange, c'est la réciprocité qui est articulée par le don de la dot, qui est articulée du rapport entre la famille des donneurs, de la femme avec la société de ceux qui reçoivent, la mariée. Et donc, une réciprocité à ce niveau-là, mais c'est aussi une réciprocité entre générations et tout ça. Donc, ce rite qui amène la patiente de la terre à l'eau et de l'eau à la terre est extrêmement, est central. Pour le devin, il y a d'autres cultes, par exemple, le culte pour les jeunes circoncis qui s'identifient à l'éléphant, vivent comme dans le corps de l'éléphant, parce que la trompe de l'éléphant, qui est figurée dans l'entrée de leur maison de séclusion, est une figuration du membre viril qui est en même temps un signifiant de virilité, surtout par les dents de cet éléphant. Donc la virilité d'un enfant qui vit sur les jupes de la maman, pour le dire en une métaphore je n'ai pas entendu dire en milieu yakafone, mais on comprend. Donc, c'est pour le séparer du milieu de la mère vers le milieu des hommes et des hommes vaillants, des hommes chasseurs, des hommes, disons presque guerriers, c'est une métaphore extrêmement saillante, une métaphore centrale, zofu, et j'ai trouvé ce terme aussi en milieu lunda, et dans les écrits de Victor Turner. Donc, ce sont des métaphores, ce sont des cultes initiatiques très répandus. Ça, c'est au centre des pratiques traditionnelles, on pourrait dire, de soins de santé ou de culte d'affliction, de culte de transformation. Je ne pourrais pas trop entrer dans les détails des procédures de la menace, c'est-à-dire la malédiction ou de la sorcellerie, parce que c'est alors tout un autre biais. Les cultes, je l'ai dit et j'ai décrit dans Weaving the Threads of Life, et cette attention pour disons la vertu thérapeutique
extrêmement efficace de métaphore. C'est décrit dans le livre Force et signes ou The Law of the Life Giver. The Life Givers. Donc, The Domestication of Desire. Il y a un élément d'approche psychanalytique, mais à ce moment-là, peut-être dans ce livre, pas suffisamment prudente. Donc, le film L'Oracle de Mama Tsembu donne un portrait de rites centrales, de rites qui sont au centre de la transformation du devin, enfin du candidat.